Salut à tous, une minuscule vidéo parce que j'ai vu un truc qui m'a fait assez rire récemment. Ça se passe sur le site DistroWatch. Il y a un nouveau principe qui est apparu. Je vous laisse deviner, je vais vous montrer lequel. Donc, je lance mon navigateur Mozilla Firefox, compil des maisons. Je vais sur le Trollesque DistroWatch. Et je vais sur la liste d'attente. Bon, il y a quand même quelque chose comme... Alors, lundi dernier, c'est-à-dire le 6, il y avait... le 8, il y avait 8 décembre, il y avait 261 distributions sur les attentes. Il y en a 263 ou 264, bref, peu importe. Voilà, donc... Vous voyez, bon, il y a PrataMOS, Linux Royal, Père Linux Maté, le machin en provenance des hackers syriens. Là, je vais prendre la Toucana OS, Toucana.tk. Je charge le site. Voilà. Donc, j'ai assez sur Wix, ça donne une très bonne envie. C'est basé sur OpenSUSE version 64 bits, donc on va aller sur Updates. Donc, je vous traduis ce qui a marqué. Je suis désolé de vous informer, mais je ne travaille plus sur cette adepte sur Toucana. J'ai un autre système d'exploitation que je suis en train de travailler sur lequel je travaille dessus depuis la feuille blanche. J'espère que vous comprendrez. Cordialement, Thomas Turner. Donc, Howard Ski Alternative Distro. Il conseille Arch Linux. Donc, c'est le nouveau principe. C'est de proposer une distribution à indexation alors que celle-ci n'est plus développée. C'est nouveau, ça vient de sortir. Désolé, c'est nerveux. Donc là, c'est pas peine que je fasse un article de blog, je vais juste mettre la vidéo sur Google+, sur Inframasphère et sur YouTube, histoire de, malheureusement, rire aux dépens de la distribution. Allez, ciao, à plus.